Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les amis. On va invoquer sur Janemba et l'air, et nous sommes en stream sur Twitch, on est 1300 personnes, ça fait plaisir, hein, midi 26. On va y aller, on a des petits tickets, bon évidemment qui sont payants, hein, je rappelle. Et on va tenter notre chance, donc on va invoquer 20 tickets, 300 DS dans cette vidéo. Il y a une prédiction, je vous le dis, parce que c'est assez marrant par rapport aux réactions du chat. Donc la prédiction c'est quoi? C'est Janemba LR du coup, hein, qu'on drop hein, en 20 tickets 300 DS, ou Goku Genki, enfin et où Goku Genki pourquoi? Parce que je l'ai acheté avec la fameuse DS verte turquoise là, parce que j'avais pas de doublon, et bah, s'il tombe je suis très content, mais ce que je veux dire par là c'est que j'ai jamais réussi à dropper de doublon, donc s'il tombe là alors que je viens de l'acheter, ça serait quand même extrêmement drôle. Voilà, donc on verra bien hein, si le jeu va vouloir nous troller, même si en soi moi je veux bien, mais voilà, ça serait quand même exceptionnel, on va voir ça. Donc, bah, est-ce qu'on va pas perdre on perd pas plus de temps? Mais bien sûr, ah oui, le portail, rapidement, bon. Ça va être très rapide. Évidemment, on veut Janemba LR par-dessus tout. Alors, 100%, non, il manque un doublon, my bad. 100%, voilà, comme quoi, les exceptions, 100%, et voilà, bonne journée. Bon. La plupart des cartes sont bien, mais encore une fois, c'est des persos qui datent de très très longtemps, donc... Alors, hors détecteur, comme je précise aussi, j'ai pas le Vegeta de la Passion, d'ailleurs, qui est achetable dans le shop, donc si jamais je le drop pas, je vais l'acheter, c'est sûr et certain. Vegeta de la Passion, donc, million de téléchargement, il y a Gohan Krillin, forcément, aussi, enfin, qui est dans le shop, je veux dire. Sinon, donc, j'ai pas le Vegeta de la Passion, j'ai pas le C17 Intelligence, toujours, et j'ai pas Goku Piccolo. J'aimerais bien dropper cette carte pour quand même la rejouer, enfin, la jouer, d'une manière optimisée, histoire de me refaire une idée précise, mais bon. Ça serait pas mal. Et sinon, bah, j'ai pas Freezer 3ème forme et j'ai pas Kyabe Intelligence. Bon, les amis, c'est parti. Première multi, 20 tickets, 3 SSR garantie. Let's go, c'est parti. On veut du LR, évidemment. On veut un maximum de LR. On veut que ça. Goten et Trunks. Alors, ne nous enflammons pas. Parce que, vu qu'il y a 3 SSR, ça se trouve, c'est pour les 3 SSR. Voilà. Hein, je précise parce que... Pas de Zeno, à part un double craquage, bon. Le double. Pas de double. Donc, c'est peut-être pour les 3 SSR, ce qui est probable en plus, parce qu'il a pas dit Walida. Voilà, peut-être que l'animation concerne juste les 3 malheureux SSR du fin de truc. Bon, après, Goten et Trunks, ça peut être un LR hors détecteur aussi, hein, je rappelle, mais bon. Il n'y a absolument rien du tout. Bah, c'est bien les 3 SSR garantis, mais... Ah bah non, mais il est sur le portail, PQ. Il est sur le portail. Incroyable. Incroyable. Eh, détecteur. Il est sur le portail. Il est sur le portail. Il est sur le portail. Incroyable. 2 cartes détecteurs, les gars, déjà. Magnifique. Bon, on va arriver à la fin. Bon, après, on peut... Du coup, on a quand même 5 SSR dans cette multiple. Ouais. Donc, on va y arriver. Un petit LR, le jeu. Un petit... oui. À quand un ZTUR pour ce monsieur-là? Parce que, bon... Ah ouais, on fait tout l'arc Majin Buu en fait, c'est ça. Ouais, bon, lui il passe ses ZTR récemment sur la Jap. On fait tout l'arc Majin Buu. On termine en beauté, un petit kit Buu. Ah bah non, GT. Bon bah du coup, multi de merde hein, globalement, parce que bon, forcément, les cartes détecteurs, on s'en tape. Là, il faut envoyer. Il faut envoyer le ticket, c'était l'échauffement. Maintenant, on envoie. Allez, c'est parti. Première multi invocation. On veut du LR. Il y avait Vegeta. Est-ce que c'est un vrai? Est-ce que c'est un fake? Kamehameha. Et c'est un fake. J'y ai cru, instant transfo, mais non. J'y ai cru, les gars, mais non, c'est le faux. C'est le faux Janemba. Enfin, le... Je vous dis Janemba dans le chat. C'est le faux, hein. C'est le Vegeta va te faire foutre. Waouh, Rildo, oui. 100% mon petit Rildo, hein, évidemment.
Ah bah on aimerait tous drop direct, hein. C'est sûr que ça nous arrangerait forcément. Maille intelligence, parfait. Toutes les 250-300 DS, t'as un petit LR qui est censé tomber. Après, c'est que des stats, évidemment. Goten et Trunks, donc là on a fait... bah c'est la 4 qui est multi du coup en équivalent, on va dire. Coller des Walida Zeno. Pas de Zeno. Allons Kamehameha peut-être, allez. Et c'est Gigode ? Non. Bon, ça sent la carte détecteur, les amis, hein, mais ça peut être un LR. Ça peut être un LR. Walida, c'est aussi, ça peut être un LR en détecteur aussi. Tout est possible ici. Il y a moyen. Ah, alors. Le Goten Tech, la seule carte qui me manquait sur le porte. Enfin, qui me manquait. Il manquait un doublon sur ce personnage. C'est le seul sur le portail qui me manquait. Donc là, maintenant, tout le portail est Rainbow, sauf Janemba, que j'ai pas, évidemment. C'est quand même assez drôle d'avoir réussi à aller chercher Goten, quand même, déjà. Hein. Vu le nombre de cartes sur le portail. Enfin, il y a un petit LR, quand même. Ah non, Walida, c'est détecteur. Enfin, ça peut être LR, mais c'est l'un ou l'autre. Ouais, comme la test, cette multi-invocation. Bon, ok, bon, le Goten, c'est pas perdu, voilà, 100%, mais bon. Cinquième multi, donc là il faudrait qu'on ait un petit LR quand même, un petit Satan sur bout. Hein, voilà tout ça. Ok. Ouais, ça sent la multi SSR garantie. Bah, à défaut, Freezer 3ème forme, Kyabe. Même Kyabe, je serais content, tu vois, c'est dire. On en est là. Non, en fait, non, je veux Janemba. Non, mais c'est. En fait, faut que j'arrête de dire ça. Je veux Janemba LR, il faut être exigeant avec le jeu, parce que sinon après il te chie dessus. Je veux Janemba LR, il va tomber. Il va tomber là, regardez. Là. Il va y avoir un switch. Lol. Ah, bah vous voyez, je commence à être exigeant. Le jeu me respecte. Deuxième doublon, très bien. Allez le jeu, parce que là, on est à 200 DS réel invoqué. Rien du tout. Coller des Walida, détecteur ou LR. Détecteur ou pas détecteur d'ailleurs. Et pas de long Kamehameha. Et on tape le Trunks qui nous ôte tout espoir, puisqu'il est sur le portail évidemment. Bon. Ouais, pas évident. Ouais. Petite surprise. Janemba en supplément. Ouais, Freezer 3ème fort, mais c'est pas le bon. Ouais, déjà 100% Janembu, hein. Oui. Malheureusement, un petit LR sur le garanti, histoire de. Ouais, d'accord, ok. Super. Ah ouais, bah je veux... Alors ok, attendez, on veut Janemba LR Endurance. Ah, c'est clair, là. C'est clair, la faille. Oh, il y a Beerus qui traîne, mais bon... Il y a Beerus qui traîne, les amis, mais c'est quand même très rare hein, que Beerus s'approque s'il n'y a pas Whis avec ou s'il n'est pas tout seul. Mais je ferme les yeux. Ah bah je l'ai dans le... Voilà. Eh ben... Waouh. Ah ouais, c'est vraiment la catastrophe là. Hein. Un petit LR quand même, je... Non mais genre le jeu, un petit LR, tu vois, genre... Histoire qu'il y ait un minimum de suspense dans cette vidéo, ça serait bien... la faille. Ça tombe sur vous. Voilà! Mais voilà! Mais oui, il y a qu'à demander! Mai sur Trunks! Trunks qui soulève Mai! Mais voilà! Mais oui! Mais bien sûr que oui! Mais quand même! Quand même! Méto, ils sont là! Voilà! Trunks dans Mai! Trunks soulève Mai! Tout ce que vous voulez! Voilà! Sur la dernière. Alors attendez, parce que là, du coup, le chat. Forcément, par rapport à la prédiction. Alors attention! 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 Janemba! Alors là, si on tape Goku Genki, mais c'est... Ça sera du... Ça sera incroyable. Enfin, ça sera vraiment un... Mais non, mais on veut Janemba, évidemment. On veut Janemba. Bon, alors évidemment, si le perso arrive pas vite, c'est qu'il va être à la fin et ce sera sûrement du hors détecteur, hein, bien souvent. C'est comme ça que ça se passe. Mais le jeu, fais-le tomber avant. Janemba. À fond. Allez, viens.
viens nous dire bonjour. Ça vient pas, hein. Ça vient pas pour l'instant. On se rapproche de la fin, ça sent le hors-détecteur. Hein. Ça sent le hors-détecteur, les amis. Ouais. Disons, il n'y a rien d'autre dans la multi. Ça sent le hors-détecteur. Aïe. Ah ouais. Alors, si on pouvait taper le Goku Vegeta de la passion, ce serait de la folie. C'est à la fin, les gars. C'est à la fin. Pas un 100%, s'il te plaît, quand même. Le mois de Janemba, ben là, c'est peu probable. Hein. La fin, c'est très, très peu probable. Goku Genki, pourquoi? Parce que je l'ai acheté avec la fameuse DS verte turquoise, là. Parce que j'avais pas de doublon. Et bon, s'il tombe, je suis très content. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai jamais réussi à dropper de doublon. Donc, s'il tombe là, alors que je viens de l'acheter... Oh! Jamais vu, vous avez jamais vu ça nulle part, c'est n'importe quoi. Je n'ai jamais droppé de doublon. Le truc, il est sorti il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus. Jamais droppé de doublon. Là, je l'achète avec la DS verte turquoise et il tombe. C'est ça, n'a aucun sens. C'est absurde. C'est non, mais vraiment, c'est totalement absurde. C'est n'importe quoi. Parmi tous les LR qui a hors détecteur, c'est lui qu'on va chercher. On l'a jamais eu en doublon. Et là, je l'achète et il tombe. Non, mais attendez. Mais c'est un truc de fou. Mais... Non, mais en vrai, franchement, je vous jure, par contre, des fois... Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Parce que qu'on se comprenne bien, il est pas sur le détecteur, donc enfin, je veux dire... Non mais... C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de dingue. Vraiment, là, c'est de la folie, hein. Bah du coup, on peut valider la prédiction, incroyable. Incroyable. Bon, les amis, est-ce que vous connaissez ma devise? Tant qu'il y a des LR, j'invoque. Donc on enchaîne. Voilà, là tant qu'il y a des LR j'invoque. Dès qu'il y en a plus j'arrête. Bon, ça va sûrement vite s'arrêter, hein, faut pas croire, mais bon, sait-on jamais. Bon, y'a Beerus qui traîne, hein, mais bon. Whis? Beerus et Whis? Voilà. Let's go. Non, bah non. C'est cool. Pas très gentil ça quand même, hein. Bon bah ça sent la multi de merde, hein. Sauf que la multi d'avant, en vrai, par le LR, il y avait rien du tout. Wow. Elles sont cool les multi avec le SSR garanti, hein. J'adore. C'est mes préférés. Parce que bon, à un moment donné, voilà, c'est déjà pas mal. Pff, ouais. Le jeu a pas envie, hein, clairement. Ce qui est dingue, c'est que c'est le seul LR qu'on va dropper, hein. C'est quand même un truc de fou, hein. Encore si on avait eu plein de LR, tu vois, genre et parmi les LR on a lui, mais non. On aura juste eu lui, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Ah non, mais c'est bon. Bon bah, par contre, les multis, c'est toutes les mêmes, hein. C'est, au début, il y avait un peu de variété, mais là, c'est SSR garanti depuis je sais pas combien de temps. Il y a rien du tout, hein. C'est assez ouf, hein. C'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes, SSR garantie, que dalle, ciao. Bon, attendez, on va tenter une dernière expérience. Et là par contre, ça me gênerait un peu plus par contre là. Ok. Je refais deux multi. La prédiction... Vous la voyez venir. Je refais deux multi. 30 secondes la prédiction, ça va très vite. Janemba LR ou Vegeta. Alors ça donne quoi? Non mais 28, ouais non mais les gars, en vrai c'est tellement improbable. Mais bon, sur cette vidéo est déjà improbable.
Bon, allez, let's go, allez, on y va. Allez, un petit LR, le jeu, juste pour qu'on soit dans les taux, tu vois. Genre, un petit LR. Un petit LR, voilà, mais même ces 17 intelligences, tu vois. Genre, je serais très content, vraiment. Même Goku Piccolo, je serais très content, moi, vous savez. Voilà, moi, je veux des cartes que je n'ai pas, c'est tout. Avec le trio des merdeux. Vous savez, le trio des merdeux. Le trio des merdeux, souvent, c'est la carte. Ah, oui, oui. Call it away. Le trio des merdeux. Zeno arrive. Ok. Mais le trio des merdeux, souvent, c'est bon. C'est là. C'est Gigode ? Non. Oh non, en vrai, ça sent la carte détecteur, hein, je peux vous mentir. Mais sait-on jamais. Le trio des merdeux, souvent, ça apporte la carte. Gen Mba LR incoming. Peut-être 3S. Ah bah non, il y a eu Collé de Wade. Bon, Paragus. Bon. Okay. Sujet. Et on l'a dans le. Voilà. Goten qui est sur le portail, bien évidemment. Bon, ça peut encore tomber, hein, mais bon. On peut avoir encore un petit LR. À la fin, notamment. Et là, si on tape Vegeta, bon bah. Je pense que... Non, en vrai, là, je tape Vegeta maintenant. C'est la vidéo la plus improbable qu'on ait jamais vue sur Dokkan Battle, je pense. Hein. Ah, c'est à la fin, déjà. Ah, merde. On n'est pas gâté. Mais bon, fallait bien que ça arrive. Hein. Ça fait vraiment que je m'étais pas fait un peu avoir. Retrio des merdeux. Pas de texte gold. Pas de Zeno. Allons, Kamehameha, let's go, un petit LR pour finir. Ah, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça, les gars. Il n'y a pas eu de collé de Walida, donc ça sent les 3 SSR aux F, quoi. Ouais. Ouais. C'est pas bon, ça. Bah, ça peut tomber, hein, mais bon. Kikiabe, Freezer. Double Janemba plus Vegeta Intelligence. Très optimiste. Moi, je veux bien, hein. Ça me va bien. Ah, les trois vont arriver à la fin, quoi. Ah, j'ai cru que ça allait switcher, ma parole. J'ai cru que ça allait switcher, le troll. Ah non, oh là là là. Bah tiens, 3 SSR, 3 Piccolo. Ah ouais. Aïe, aïe, aïe. Il est sur le portail, cet enfoiré de merde. Il est sur le portail. Ah, Goten SSR, je crois que c'est mon dernier doublon pour le SSR. Il me poursuit, ce perso. Ah, je l'adore, mais quand même. Cette vidéo est un peu collector, hein, parce que vraiment, le Goku Genki, ça n'a aucun sens. C'est un truc de fou. Le seul LR qu'on tape dans cette vidéo, je dis pas, on aurait eu 4-5 LR, tu vois. Bon, parmi les 4-5, bon, ça serait déjà un peu fou, mais quand même. Mais c'est vraiment improbable. Hein. Là, on défie les taux, mais comme jamais, hein, c'est incroyable. Bref. Bon, sur ce, les amis, good luck à vous si vous tentez votre chance. N'oubliez pas, petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Des bisous à tous, à très bientôt. Salut !